Ah oui, il y a des éléments supprimés puisque je suis sur 10. Oh, c'est pas bien grave parce que je suis... il me manque quelques kits que j'avais sur mon ancien compte, mais c'est pas bien grave, il n'y a rien d'important qui a été... voilà. Et on a tous vu... Non, vous avez rien vu. Non, 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 non. Et bah du coup, hello, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui viennent pour le let's play de Barbie. Mais l'accent de merde que je fais quand je le dis... what you do spoil? Maintenant vous spoilez tout seul. Non, j'avais pas le droit de... De toute façon, non. Non, non, je suis pas d'accord. I am not very d'accord. Hein. Vous vous calmez. Hein. Bon, on arrête les conneries. On a tout vu. Coucou Marie, coucou Eve et Lucie, coucou tout le monde. Non, 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 non. On va faire genre, vous venez d'arriver, vous n'avez pas vu le spoil, il ne s'est absolument rien passé. Voilà, voilà. Allez, faire 50k si tu veux pour le faire, GG, j'en ai 3, mais non, garde-les, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de t-shirts, t'abuse pas, tu mets déjà beaucoup de radra. Coucou Lily, merci Yanouni, assez gentil. Bon, on est dans la famille de Barbie, et comme vous pouvez constater, ces bébés sont devenus des bambas. Par contre, ils sont très très tristes. Alors ici, nous avons, c'est William et James, du coup, il est ouf, il est ici. Ah, ils sont pas contents, pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'aller aux toilettes. Et qu'ils ont envie d'aller dormir. Ils sont assez synchro, hein, les bébés. Par contre, ah non, ça va. J'ai cru que j'avais mis qu'un seul pot, mais en fait, j'en ai bien mis deux. Et du coup, il va falloir leur apprendre à aller sur le pot quand même. Donc toi, tu vas mettre James sur le pot, parce que t'es juste à côté. Et du coup, Monsieur Papa va mettre... Par contre, j'ai peur qu'ils puissent pas les mettre les uns à côté des autres. On va voir ça ensemble. Ouais, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, la première partie de la vidéo du challenge, du 100 bébé challenge, 100 baby challenge. Et perdu. Mais si, il y a eu un don, Lalo. T'en as refait un? Et merci Samra, bienvenue à toi. Bah si t'en as refait un, il va peut-être encore s'afficher. Il y a peut-être du temps. Le Joker et Harley Quinn, c'est les meilleurs, ouais, j'avoue. En plus, c'est trop swag le Joker. Il est trop swaggy, Jess. On a tout vu. Enfin, on peut dire. Je viens d'arriver, j'ai rien vu du tout. Calme, ne me stressez pas. Coucou Morgane. C'est Chloé mon prénom. Mais je vais oublier de toute façon encore une fois, bam bam. Hein. Je te le dis. Ah oh, bah ça va, regardez, les deux en même temps. Oh, c'est bien, ils vont pouvoir s'entraider entre frères pour aller sur le pot ensemble. Ils sont trop choux. Je suis obligée d'immortaliser ce moment parce que franchement, je pense qu'on n'arrivera pas souvent à mettre les deux sur le pot en même temps. En plus, regardez comment il regarde. Ah, j'adore. J'adore, on va essayer de faire genre là pour qu'on voit les parents. Impression que, regardez, on a l'impression que Barbie, elle tient Ken par le bras. J'arrive pas à prendre un joli plan, ça m'estresse. Non, j'arrive pas à prendre un joli plan. Bah, peut-être comme ça, ce sera mieux. Bon, écoutez, tant pis pour le plan. J'arrive à rien prendre du tout. Donc, ce sera rien du tout. À ta chaîne, j'aimerais bien. Bah, tu peux en acheter un, Lovely, en te connectant sur ton compte et en allant dans la boutique. Coucou, Maga. Alors, attendez, on remet les murs. J'ai pas réussi à faire un joli plan, ça m'énerve. Bah, tant pis. Mais tant pis. Ah, tu trouves le Joker beau? Bah ouais, regarde. Tu vois le Joker juste derrière, il est en train de m'observer, tu vois. Et il regarde si je fais des bêtises ou pas en live. Je vois si vous le voyez bien, mais il est juste derrière. Et du coup, juste devant moi, ça vous le voyez pas. Par contre, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Ah si, vous le voyez. Bon, vous la verrez à l'envers, parce que du coup, voilà. Mais comme vous pouvez le constater, c'est... Ah, c'est ma petite Quinzel. La petite Quinzel. Petite Arlililil. Voilà, voilà. Et comme d'hab, maintenant, je ne suis absolument pas cadrée. Merci. Et coucou, diamant. Alors, nous sommes avec notre très chère Barbie et notre très chère Ken. Par contre, s'ils en mettent du temps, là, sur le pot. Hé hey. Ils ont la gastro ou quoi? Ça se passe comment? On va passer le temps. Il y a même Lisa qui est venue. En mode, je vais leur apprendre, moi. Aller dans une litière, ça sera plus rapide. Alors William n'est qu'un bambin sans défense, des gardiens et d'autres sims du foyer devront s'occuper de lui. C'est vrai qu'en plus on a notre major femme, c'est pas jeudi. Jeudi c'est pour Henry, comment on l'avait appelé déjà, je sais plus. Je ne sais plus. Par contre, il a fini, c'est bon, ça y est.
C'est qui? C'est William ou James? C'est William, je crois. Non, c'est James. Vous voyez, comme quoi je me suis trompée. Bah écoute, va dormir. Va dodo, parce que là, t'es vraiment occupé. Et du coup, toi, pareil, tu vas dodo. Allez, comme des grands. Ah, regardez! Regardez, c'est vraiment leur ami. Oh, regardez! C'est vrai, j'avais oublié, mais on leur a mis les costumes de pingouins. Attendez. Attendez, je veux le voir, ça. Je le vois. Regardez les pingouins. Regardez, regardez, regardez. Regardez les petits pingouins. Regarde, il va se transformer en pingouin. Et boum, un petit pingouin qui est en train de monter dans son lit. Oh mon dieu, mais c'est trop bien. Ah, j'adore trop. C'est trop bien. C'est trop, trop cool. J'adore vraiment. Oh mon dieu. Coucou Aurélie, ça va et toi? Ils ont pissé en même temps. Ouais, ils ont vu pipi, caca en même temps. Alors là, par contre, elle aussi, elle est fatiguée. On va l'envoyer dormir. Du coup, elle est maman au foyer. Je me rappelais plus, en plus, c'est vrai. Je me rappelais même plus que je leur avais mis ce costume. Je me rappelais plus. Voilà. Ah bah oui, Charlotte, faites très attention. Je vous l'ai dit en plus dans la vidéo, comme quoi toutes les personnes qui gagnaient quelque chose chez moi, des comptes, des VIP, etc., se faisaient un petit peu harceler derrière. Donc n'hésitez pas à bloquer les personnes qui sont un peu invasives sur votre compte et qui vous demandent trop d'informations. Voilà. T'as fait ton ménage pour ton prix. Ouais, ouais, j'ai fait le ménage avant. Tout était propre, tout était nickel. Mais bon, au moins, le robinet remarche. Parce que oui, le robinet, en fait, je l'ai levé et puis je l'ai cassé, en fait. Mais gentiment, il m'a remis un nouveau robinet tout neuf, sans me faire payer et tout, donc c'est cool. Et pareil, il y avait une lumière qui ne marchait plus, malgré le fait que j'allais changer l'ampoule et il me l'a réparé en même temps. C'est cool. Et du coup, nos petits pingouins sont en train de dormir. Par contre, on peut pas... Ah non, on peut pas, parce que ça, c'est la lumière... voilà, celle-ci. Donc celle-ci, je peux pas l'éteindre. Parce que c'est la lumière qui permet aux enfants, enfin, aux bambins, de ne pas faire de cauchemars pendant la nuit, pendant qu'ils dorment. Et ça nous évite aussi de réveiller les parents ensuite, hein, derrière. Voilà, elle s'appelait Erika. J'avais oublié son prénom à la majeure femme. Elle s'appelle Erika. Quant à Ken, il fait quoi? Ok, Ken, je veux bien, mais là, t'es vraiment fatigué. Il faut que t'ailles te coucher, toi aussi. On va lui demander d'aller se coucher. Tiens, il va le prendre un bon bain avant d'aller au dodo. Voilà, comme ça, il va aller au dodo tout propre. À chaque fois, il faut tout réparer, ouais. Coucou Morgane. Vous allez me regarder des gens aux toilettes. Elle a kiffé les bébés sur les pots, mais bon, c'est rigolo quand même quand les deux bambins ils sont sur le pot en même temps. Mais c'est des jumeaux en plus. Ah, tu es française? Bah oui, je suis française. Enfin, je suis polonaise aussi. Je parle un petit peu anglais. Quinzette, t'as été méchante avec moi, mais pourquoi Joyce? Il nage jamais. Bah, c'est des pingouins quoi. Ils sont sur la banquise quoi. Coucou Nicole. Par contre, lui il nage dans le bain. Ken il nage dans le bain, on va le laisser prendre son bain. On va accélérer le temps parce que tout le monde est parti dormir. Il y a juste Blissa qui doit être malheureuse, personne ne s'occupe d'elle. Et pourquoi il y a un verre en plein milieu? Elle peut pas s'en occuper, Erika? Voyons. Un bac qui forme, bachiforme, firkin. I don't know what is that, hein, pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est, par contre j'aimerais bien qu'elle le nettoie. Par contre elle nettoie bien la flaque, ça c'est cool. Bah écoutez, elle est en train de faire ses griffes. Blissa, tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Salut Unicorn. Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Coucou Morgane. Eh, je suis triste. J'ai pas reçu la notif. Ah bah je suis désolée. Mais bon, la notif, ça déconne beaucoup. Mes Sims ne marchent pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'erreur? Mais il y a une mise à jour, hein, aujourd'hui sur les Sims. Hein. Vidéo de slime. Oui, c'est bientôt prévu parce qu'il commence à faire de plus en plus beau chez moi. Et j'avais dit que dès qu'il fera beau et que je pourrais ouvrir ma fenêtre pour aérer pendant que je fais le slime, bah on fera un petit live slime en direct. Donc voilà, voilà. Eh bien écoutez, tout le monde dort encore, mais Barbie va bientôt pouvoir se lever parce qu'elle a bien dormi. Highlander, eh bien j'ai déjà une personne qui s'occupe du design de ma chaîne, donc merci quand même. Sur MSP, j'ai 121 demandes d'amis, bah oui. c'est quoi la mise à jour? Alors je ne sais pas, je t'avouerai que j'ai fait la mise à jour et j'ai pas cherché à comprendre ce que c'est. bah le chat n'a pas un arbre à chat pour faire ses griffes. Si, si, il en a un au rez-de-chaussée. Il en a un juste là. En plus, c'est pas un petit que je lui ai pris, hein, c'est un grand quoi. Donc là, franchement, il a large de quoi faire ses griffes quoi. Mais non, il va faire ses griffes dans la chambre de Barbie. Du coup, on va réveiller Barbie. Et comme vous pouvez le constater, juste là, on a pas mis de frigo. J'allais dire, on a mis un frigo exprès pour pouvoir nourrir les bambins plus facilement, mais absolument pas. Du coup, on va demander à elle d'aller. C'est quoi ça?
Il en reste 3. On va demander de prendre une portion. Combien de temps avant que ça pourrit? 36 minutes. Attends, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre dans le frigo. Et de là, on va prendre des restes. Alors, pyjama, notre Barbie. Ah, Ken, il va aller travailler parce que lui, par contre, il a pas de congé paternité. Alors, il faut qu'il se réveille. En plus, je suis sûre que je n'ai pas fait. Voilà, parcourir les informations, pas commencer. Mais de toute façon, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Tant qu'à faire, autant lui augmenter son divertissement. Et pour ça, on va lui demander, j'allais dire, d'aller dans le bureau de Barbie. Mais non, puisque le bureau de Barbie s'est transformé en chambre. En chambre d'enfant. Mais regardez la télé, pourquoi pas. Regardez la télé. Voilà. C'est parfait. Bientôt médicat citron, en vrai citron my god, lalala. Bah je pense que tu les auras ce soir, j'ai cru que tu parlais de petit chat, non. Non ça va, petit chat franchement, il est assez, on va dire assez, assez cool, il a jamais vraiment fait ses griffes n'importe où, donc c'est vachement cool. Et c'est ça qui est bien avec lui. Alors, franchement petit chat il a pas fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Hein. Il a vraiment pas fait beaucoup de bêtises. Hello Emma, comment vas-tu? Je suis déjà un new boss, yes. Je suis new boss de tout à l'heure, qui a déjà perdu beaucoup de vie. Moi, je crois qu'Océane, c'était une abonnée. C'est rare en plus que ce soit une ou un abonné qui devient boss, parce que souvent, c'est les personnes qui font les dons pour devenir boss. Et du coup, je crois que c'est pas arrivé depuis, je crois, le début. Je crois que c'est la première fois même. Et merci Didi. Alors, les enfants dorment encore. Ils vont commencer bientôt à avoir faim. Il faut que je surveille. Ouais, on va leur donner à manger. Surtout James. James, il a vraiment faim. À côté, on va lui demander à manger à James. Tu vas aller tout de suite. Et on va lui donner... j'aime bien donner... Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je leur donne des petits pois. Genre toujours. Coucou à toi, Vivi. Je leur donne toujours des petits pois. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi. Et merci, Louise. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Je pense que je lui donne ça parce que, je sais pas, ça m'a l'air bon pour la santé. Et que dans les films, je vois toujours les gens donner des petits pois aux enfants. Donc voilà, ils peuvent être dégoûtés et dire « Barbie, mais moi je veux pas les petits pois. » Mais donne-lui à manger, réveille-le, donne-lui à manger. Réveillez. De toute façon, ce qu'on veut faire, c'est que James, hop, directement, manger les petits pois. Donnez à... Ouais. Ken est attendu au travail pour la... Attendez, stop, il y a un petit message assez intéressant. Alors je pense que ma tête, je vais la mettre là. Ça vous voyez, une notification. Parce que là, Ken est attendu au travail pour la prochaine journée de travail suivant son congé pour raison familiale. Il ne peut plus prendre de congé pour raison familiale supplémentaire actuellement. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas parti au travail, c'est ça? Pourquoi ils me disent qu'il devait partir au travail dans une heure s'il n'est pas obligé d'y aller? Non mais c'est quoi ce troll? Mais c'est quoi ce non-respect? Et du coup, la donner à manger à William. Et pareil, le petit pois, comme ça, il est pas jaloux. Oh, quand elle porte le pingouin, c'est trop mignon. Par contre, je sais pas pourquoi elle a pas les faire asseoir ici. Du coup, je leur demande de... Hop. Je sais que t'as faim, mais j'arrive pas à te donner à manger. Va prendre. Ah bah voilà. Ah bah merci. Regardez. Merci Demba, bienvenue à toi. Mais regardez, regardez comment il... Ah bah vite, va aux toilettes. Va aux toilettes. Allez. Je crois que c'est pas le bon endroit pour placer les chaises. On va peut-être les déplacer. Et merci à toi Noura, bienvenue, merci beaucoup pour ton abonnement. Coucou Madea, coucou Morgane. Voilà, comme ça, hop, il va manger tout seul dans son coin. Mais regardez, c'est trop mignon! C'est trop mignon, j'adore, regardez-moi ça! Mais regardez ce petit pingouin, mais c'est trop chou! En vrai, je veux faire que plein d'enfants juste pour mettre des petits pingouins. Oh mon dieu, mais la personne qui a fait ce costume-là, franchement, GG à elle, parce que ça rend mais tellement bien. Barbie, mauvaise mère. Ouais, non, mais je pense que c'est les chaises, ils sont mal placées, il y a un problème avec. Merci Panda DMSP, bienvenue à toi. On va dire, j'ai beaucoup de problèmes à les caler sur les chaises. Et du coup, bah, c'est compliqué. Non, c'est avec elle, voilà, avec elle. Relâcher.
là, tu vas me nettoyer ça. Faut que je nettoie pas ça, on va voir si la Bajor femme va s'en occuper ou pas. Alors, on avait dit que Barbie voulait être une bonne maman. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'occuper de ses petits enfants. Et du coup, on va leur apprendre des choses. Alors, attendez. On peut leur apprendre à marcher, lire un livre. Éducation. Apprendre à dire pardon. Apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Bon, allez, apprendre à dire s'il vous plaît et merci pour commencer, ce serait déjà pas mal. Enfin, d'après moi, ce sera déjà pas mal. Parce qu'il m'a fait croire que tu jouais dans Suicide Squad. En plus, j'y ai cru, mais je te pardonne, mais genre, mais moi, c'était tellement évident que vous comprendriez que c'est un troll. J'aime bien Dashiell. Merci, Lovely. Bah, tout à l'heure, on ira voir Byune. Vous inquiétez pas, on ira après. Il n'y a pas de souci. 15, je vais commencer mon 100 bébé challenge comme toi. Nice, bah comme ça tu pourras me dire parallèlement dans les commentaires comment toi tu arrives à avancer dans le... Mais bon, moi par contre ce sera un épisode le mercredi et le vendredi. Donc je peux pas aller plus vite que la lumière, mais voilà, comme ça tu pourras me dire parallèlement en commentaire où t'en es toi, etc. Si toi t'arrives mieux que moi, je pense que oui, parce que je suis pas très douée, j'ai l'impression. La première fois que j'ai testé le 100 bébé challenge, j'ai cramé ma maison. Alors que je venais à peine de le commencer le premier jour, quoi. Premier jour, je crame ma maison. On l'adore. Et le problème, c'est que tu peux pas utiliser de code dans le 100 bébé challenge. Coucou Noémie, Jess du Twitch. Ouais, je pense qu'on va faire du Twitch après, ouais. Du coup, après le live là sera le dernier sur YouTube ce soir. Et après, on ira sur Twitch. 33K300G, ma belle. Merci, Lisa. C'est quoi des citrons? C'est un fruit. Coucou Yekina, qui veut être bloqué, lol. Pas très gentil, hein. Gadji, j'ai ma 15e pour tirer 1200 likes quand même. Merci, bah merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous, hein. Attendez, j'ai m'auto-liké comme ça, hop, on passe à 1208 likes. Merci, Karzel. la vie qui s'auto-like, quoi. Coucou Carla, coucou Thierry. Oui, du Twitch. Ouais, et bah oui. Alors attendez, parce que là, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais demander? Apprendre à... Voilà, on devait faire ça. Faire un câlin à James. Et pourquoi pas à William? Fait du favoritisme, c'est pas très gentil. Comme ça, hop, on va mettre ça, on va l'enlever, on va mettre dans le lavabo directement. On va les aider à ranger comme ça. Il est en train de manger, voilà. Et du coup, Ken, finalement, il est quand même parti au travail. J'arrive pas à faire la mise à jour, comment ça se fait? Tu joues aussi sur ordinateur? Ouais, exactement. C'est gratuit? Non, c'est payant. Mais tu l'as aussi sur console, ça t'intéresse? Plus lentement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça sert à rien que je ralentisse le chat, parce que quand on changerait de jeu, ça se calmerait dans le chat. Et si c'est produit. Oh Joyce. Mais t'inquiète pas, je t'en voudrais pas. Je te verrai un nom. Oh, c'est gentil, Sébastien, d'y penser. Ouais, le jeu, c'est Monsieur Cat. Et mon amoureux s'appelle William. Eh ben dis donc, t'es une cougar. Tu t'en prends à des petits, comme ça. Il est pas un petit peu jeune, là, William, pour toi? Il n'a pas encore grandi. Attends, au moins qu'il prenne un peu d'âge. Bah écoute, ça va très bien, et toi, Noémie? Demain, au collège, j'informe des métiers à 8h30. Ah, moi, une fois, moi aussi, j'avais eu ça. Un moment, ouais. Moi, j'ai trouvé ça vachement ennuyeux. Mais en vrai, ça reste quand même intéressant. Avec du recul, finalement, c'était quand même intéressant. C'est juste moi, à l'époque, qui m'y intéressais pas. Alors, attendez, parce que du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau des besoins? Il y en a un qui a envie de dodo. Bah, toi. Toi, là, qui va aller faire dodo. Bah, va dodo. Par contre, toi, c'est qui? C'est James, ouais. James, il a besoin d'aller aux toilettes. Donc, on va, hop, apprendre à aller sur le pot à James. Voilà, parce que comparé à d'autres challenges dans lesquels... Enfin, challenge, parce que je dis bien challenge, c'est ce qui arrivait le plus souvent. Eh bien, il m'arrivait souvent de nettoyer directement, hashtag le Super Brother Challenge, hein, où je laissais la petite faire dans sa couche culotte et je lui apprenais pas à aller sur le pot parce que pas le temps. D'ailleurs, il faudrait que je recommence le Super Brother Challenge et que cette fois-ci, je le réussisse parce que franchement, il a mon âge, t'inquiète. Ouais, mais je plaisante, t'inquiète aussi, hein. Coucou Louise. Il y a des pandas, je veux qu'il y en ait. Alors, panda, je sais pas. Je t'avouerai que je crois qu'il y avait que pingouin. C'est un costume que j'ai téléchargé. Et je pense qu'il y avait que le pingouin. Mais franchement, j'irai voir, me renseigner, voir si j'arrive pas à en trouver d'autres. Parce que franchement, si un jour j'arrive à trouver des costumes de telle qualité avec des animaux différents,
Eh bien, j'ai limite envie juste de faire une famille avec un adulte et sept bambins qui sont en costume. Ce serait tellement marrant de les voir se balader ensemble. Et genre faire comme une petite garderie, tu vois, avec une petite barrière et tout, et les laisser dans la sorte de garderie. Ça pourrait être super marrant. Ouais, je sais, petit chat, on ira la voir juste après le let's play sur Barbie. On reste encore un peu sur Barbie, et puis après, on ira voir Bjorn. T'inquiète pas, je ne l'oublie pas. coucou Aguerre, comment vas-tu? Je suis un caca team Lalo et un citron team. Bah, ça donne quoi mélanger? Bah, ça donne un caca citronné, voilà, un caca au citron. Voilà, t'as mangé beaucoup de citron, bah voilà, t'as fait un caca citronné, ça arrive. Hello Noubette! Bien, Chloé, pour recevoir les citrons, faut que tu mettes aussi des messages dans le chat, au moins un message toutes les 20 minutes pour que tu puisses te comptabiliser les citrons. Coucou Elal, bah écoute, ça va très bien et toi, Blue Swagger. Faire 100 épisodes pour le challenge sans bébé, plus de 100 épisodes. Bah, s'il faut, je ferai plus de 100 épisodes. Il y aura un épisode tous les mercredis et vendredis. Après, il est possible qu'à un moment donné, il sorte pas le jour à l'heure précise parce qu'il peut arriver, les problèmes peuvent arriver. J'essaie toujours d'avoir des épisodes à l'avance. Là, par exemple, j'ai 2 épisodes d'avance. Du coup, normalement, jusqu'à la semaine prochaine, tous les épisodes sont déjà faits. Mais ça peut arriver à un moment donné que j'ai un petit peu de retard, ou j'ai un problème, ou j'ai un problème de connexion, problème de PC. Ça peut arriver à tout le monde. Et merci Lina, bienvenue à toi. Du coup, à moins que j'ai un souci, vous aurez un épisode du 100 bébé challenge tous les mercredis et vendredis à 17h30. Voilà, voilà. Bonne chance, Kinzel, pour le challenge. Merci, Louise. Si je me suis dit, en plus, ce 100 bébé challenge, vous inquiétez pas, je sais que c'est super long, je m'en doute. J'ai vu des épisodes sur YouTube qui dépassaient les 150 épisodes. Du coup, j'ai décidé d'avance, au moins. On a un let's play qui durera toute l'année. Mais comment c'est parti? Voilà, voilà. Il y aura d'autres comptes à gagner. Bah, sûrement par la suite, je vous en ferai gagner parce que je monte des comptes au niveau 20 très régulièrement. Et du coup, il y aura d'autres comptes à gagner aussi. Coucou Aninka, coucou Plume d'air. Trop hâte que tu postes la suite. Ouais, en plus, je veux pas vous spoil, mais je veux juste vous dire un truc. C'est franchement, il arrive des trucs de malade par la suite. Il arrive des trucs de malade, vous imaginez même pas. Du coup, je vous dis pas plus que ça, juste comme ça, pour vous donner envie de regarder la suite. Mais franchement, moi je sais, vous savez pas. Mais il va y en avoir des choses. Mais je vous en dis pas plus. Voilà. Le truc pour bien vous mettre... hein. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu t'occupes plus de tes enfants là? Tes fils sont en bas? Oui, parce que je précise bien, ce sont des fils, puisque avec leur costume de pingouin, vous ne savez plus ce que c'est. Ce sont des enfants non identifiés. Et ben, je ne savais pas qu'elle avait des gènes de pingouin, notre Barbie. Merci Maë, bienvenue à toi. Et bah regardez, il s'est changé. Alors attendez, parce qu'il faut que je regarde très triste. Pourquoi il est très triste? Ça fait un cauchemar. Mais pourtant, t'as la petite lampe au-dessus du lit. Bah alors? Et par contre, toi, tu as vraiment très envie de dormir et t'as envie de faire aussi du divertissement. Bah écoutez, on va essayer. Il peut pas rejoindre. Vas-y, rejoins ton frère. Ça, vous allez jouer ensemble sur le château. Regardez-moi, il est beau le château. Il est vraiment beau. Je l'ai pris parce que je me suis dit, pour les garçons, un château, ça passe, quoi. T'as changé de couleur de cheveux, j'adore. Merci. Ouais, plus de 1200 likes sur le live. Merci beaucoup. Coucou Nutella. Et GG des 1,2K likes. Merci. Let's go, hello. Et merci Sinistral et Heureux. Et merci beaucoup. Énorme cœur, merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Merci énormément. Et bah dis donc. Des toilettes, pingouin, serait-ce Madame Toilette qu'il possède? Ouais, j'avoue, c'est chaud quand même. En vrai, il n'existe pas sur MSP un costume de pingouin. Bon, il est triste, franchement, on va l'envoyer dormir parce que là, ça va plus. Mais par contre, il est un petit peu mieux, du coup, ce qu'on va faire... Mais lui, il a fait un cauchemar. On va s'occuper du petit James, c'est ça? Non, c'est William. Bah oui, mais en même temps, avoir des jumeaux, c'est compliqué. C'est compliqué, je vais toujours confondre les deux, je suis désolée. Soin donné au bambin. Alors attendez. Parce que
que là on peut pas faire un truc, construire. Apprendre, enseigner les formes à William. Ouais, on va lui enseigner. En plus, il y en a un deuxième juste là. Allez, viens, je vais t'enseigner les formes. Hein, les ronds, les triangles, les carrés. J'avoue que tes cheveux, ça fait une crinière de licorne. Ouais. Yes, j'adore. À quel âge on peut se colorer les cheveux? Il n'y a pas vraiment d'âge pour se colorer les cheveux, honnêtement. Après, franchement, je préconise pas forcément de le faire trop tôt. Parce qu'il faut quand même réfléchir, surtout pour assumer ce genre de couleur dans la rue, je peux te dire. Par contre, il faut faire attention aussi parce qu'il y a certains établissements scolaires où se colorer les cheveux, c'est interdit. Et encore plus quand c'est ce genre de couleur. Donc renseignez-vous bien. Et bien sûr, toujours demander aux parents l'accord, etc., etc. Et puis faites ça chez un coiffeur, parce que moi je le fais depuis longtemps, donc je sais faire. Mais je suis pas coiffeuse non plus. coucou Madea. Et du coup, voilà, voilà. Donc, mais il n'y a pas vraiment d'âge. Faut juste, je pense que c'est plus une question de maturité et de savoir que si on assume vraiment la couleur ou pas. J'ai raté un tel avis des vidéos. Bah merci Carla. J'ai envie de la suite, mais Ouais, mais du coup, ça fait plaisir. Voilà, j'espère quand même qu'il y aura quand même beaucoup de gens sur ma chaîne qui regarderont ce let's play parce que c'est un let's play où je mets beaucoup, beaucoup. Je parle du let's play du 100 Baby Challenge. Donc, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est un let's play où j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce qu'à chaque premier épisode, enfin, à chaque épisode, tout court déjà, je mets une intro comme ça, un peu machinima, etc. Bon, ça dure en général quelques secondes, voire jusqu'à une minute. Du coup, j'espère que ça donne un peu plus de travail, etc. Donc, j'espère quand même que ça vous plaira. En plus, le montage met énormément de temps vu que c'est une vidéo de qualité. Non. On sait pas encore la 4K, mais pas loin. Salut Sébastien, comment vas-tu? Du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire dans le temps et que vous allez pas vous enlacer parce que c'est beaucoup d'épisodes. Hein. C'est vraiment beaucoup d'épisodes. C'est prévu pour qu'on y aille pour toute l'année là avec ce challenge. Coucou à toi, Fudia. Coucou à Smae. Sachant que j'ai 11 ans et je veux me faire un dégradé bleu et rose comme toi et mon collège tolère les couleurs, alors j'ai le droit. Bah si tes parents sont d'accord, oui tu peux. Si tes parents sont d'accord que le collège y peut et que toi tu assumes, tu peux bien sûr. Après honnêtement, faut aussi trouver le coiffeur qui sera d'accord. Parce que pour faire ça, il faut décolorer toute la tête. Si tu veux te faire toute la tête comme moi, il faut te décolorer toute la tête. Par contre, pour décolorer toute la tête, pas tous les coiffeurs sont d'accord. Moi, je peux te dire que j'ai galéré à trouver un coiffeur qui, au début, quand j'allais le faire chez coiffeur, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je le fais moi, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui étaient d'accord pour le faire. J'ai dû aller chez un coiffeur spécialiste où j'ai donné beaucoup, beaucoup d'argent pour me décolorer toute la tête. Mais voilà, en gros, c'est... Après, franchement, si vous voulez commencer... Honnêtement, peut-être commencer par faire un dye and dye avec les mèches au bout. Je sais pas c'est quoi ta couleur naturelle. Mais si t'es par exemple, je sais pas moi, brune, je trouve qu'un dye and dye avec les cheveux bleus ou roses, que bleu ou que rose, franchement ça fait déjà très très joli quoi. Mon frère est amoureux de toi, je lui dis quoi? Dis-lui, j'ai déjà l'halo dans mon cœur. De quoi le 100 Baby Challenge? Oh, je compte tout regarder, c'est trop cool. Ouais, je l'ai posté à 17h30, toi, Lina, il est déjà disponible le premier épisode. Coucou, Cutie. Voilà, voilà. Bah, attendez, je vous remets le lien pour les personnes qui sont pas au courant. Je vous remets le lien tout de suite. Ah, ils sont en train de faire leur life. Dites les bambins. Ah, mais il va dormir, t'es fatigué quand même, hein. T'es fatigué. C'est vraiment un let's play qui me tient à cœur parce que j'ai mis beaucoup de travail dedans. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Ah du Canada. Hey le Canada, coucou les frères. Voilà, je vous ai mis... Alors ça c'est le lien pour la vidéo du 100 Baby Challenge. Fortnite sur Twitch. Ouais, je pense qu'on va faire du Fortnite. Voilà, donc ça c'est le lien vers le 100 Baby Challenge, ça vous intéresse, au pire mettez-vous à le regarder plus tard. Moi dans mon collège on n'a pas le droit au jogging et au jean troué, donc pour une couleur je laisse tomber, ouais. Bah déjà si le jean troué et le jogging c'est interdit, alors... bon à la limite on n'avait pas le droit aux shorts et aux jupes courtes, c'était rien au-dessus de... en dessous du genou, pardon. Par contre les joggings et les jeans ça y allait quand même. Hein. Mais j'adore l'intro, bah merci beaucoup Lilina, coucou Clément. Justement, c'est pour ça que je trouve que cette série, ça, j'adore, parce que justement, l'intro, en fait, ça fait le tout, quoi. Et surtout, les autres intros, vous avez vu l'intro du premier, qui est déjà pas mal, mais vous allez voir les intros du deuxième et du troisième, parce que moi, je le sais, j'ai déjà fait.
Et je vous en dis pas plus, franchement, ils sont trop bien. Surtout celle du troisième, mais je vous en dis pas plus. Bon, j'arrête d'en parler parce que je vais chialer tellement, c'est trop beau. Ah non, pourquoi tu poses ça par terre? Mange des restes, non? Bah, mange un repas rapide. Des céréales. Ah, désolée, j'ai éternué. Coucou Maeva. Je vais faire un petit coucou et je repars. Et GG les 33K300. Bah, merci Océane. Et bonne soirée à toi. Et merci quand même d'être passé pour faire un petit coucou. Hein. Et la plus belle. Oh, merci les frères, c'est gentil. On n'a pas le droit au jogging troué, mais il y a quelqu'un de mon collège qui s'est fait toute la tête en bleu. Et on lui a rien dit. Est-ce que je pourrais jouer avec vous? Bah, ça dépend. On verra Yoraki. On verra Yoraki sur le Twitch. Je sais pas, je suis obligée de rester ici. Je t'aime trop, Kinzel. Oh, c'est gentil. Kinzel, ma mère est coiffeuse, donc la découlo, elle peut me la faire. Bah voilà, bah c'est tant mieux. Bah justement, en plus, si ta mère est coiffeuse comme ça. Bon, franchement, moi j'aurais kiffé avoir dans ma famille un coiffeur ou une coiffeuse. Mais bon, j'en ai pas, et du coup, vu que le coiffeur ça coûte trop cher, bah je préfère faire ça moi-même. Mais c'est encore mieux si t'as quelqu'un pour le faire. Et si tu devais changer de prénom, ce serait quoi? Alors honnêtement, aucune idée. Oh, merci beaucoup. Oh, merci Selma, tu le mérites. Oh, par contre le texte il est complètement... Attendez, faut que j'aille voir le type de Selma parce que j'ai même pas entendu le son. En tout cas, merci beaucoup, je l'ai vu sur la rediff là en plus, même pas sur le truc. Mais merci beaucoup, je te fais un énorme cœur car merci énormément pour le soutien. Mais attends, je vais aller quand même lire le message sur le site de Tipeee parce que sinon ça me stresse. Je sais pas, je pense qu'il a moitié bugué. Tu le mérites vraiment ce don, et comme j'ai de l'argent dont je ne me sers plus, bah voilà, pour toi, ça, je me change pas. Ajoute-moi sur MSP, Princesse Carrera. Désolée pour la petite pub, mais y a pas de soucis, mais t'inquiète pas, je prends note. Et puis je te ferai également une petite pub la prochaine fois sur Movistar Planet pour ta Movistar. Mais normalement, c'est pas prévu que je retourne sur MSP ce soir, mais t'inquiète pas, j'ai noté ton pseudo, et je t'ajouterai hors live quand je liverai plus. Sur MSP quand j'y ferai un petit tour, quand normalement c'est prévu que je fasse un petit tri ce soir, voilà. Donc je t'ajouterai, et du coup, bah merci beaucoup à toi pour le don, énorme cœur, merci énormément pour le soutien, c'est super gentil de penser à moi, merci beaucoup, c'est super gentil. Voilà, je suis désolée que ça n'a pas fait le son correctement. En tout cas, attendez, on envoie ça. Ah, la low block note. C'est noté sur ma lalo bloc-note. Hey Angel, voilà. Elle est super belle ta Barbie. Et même moi sur la démo, elle était hideuse. Toi, elle est trop belle. Oh, merci. Coucou Morgane, je peux jouer avec vous à Fortnite, s'il te plaît. Yes, mon frère, il a dit. Alors, je sais pas si je peux te le dire. Parce que c'est pas fameux. Mon frère m'a parlé de toi. Alors, attendez, stop. Parce qu'il a vraiment faim. Et il y a vraiment les assistants sociaux. Ils vont venir m'enlever le bébé. Alors, attendez. Regardez le pingouin qui est en train de s'exciter devant la plus de choix à ouvrir. Est-ce qu'on a de la nourriture qui est encore bonne? Qualité normale, qualité gâtée. Par contre, ce sont des restes. Mais vaut mieux des restes que rien, non? S'il n'y a pas un raccourci pour monter, parce que si je veux monter en haut... Page précédente, ok. Page précédente. Voilà, ici. Ça déjà évitera que les assistantes sociales s'en prennent aux enfants de Barbie. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez, regardez, si je m'en occupe pas, bah ça finit mal. Voilà, va manger mon petit. C'est qui a faim? C'est William, ça. Lui, il est debout. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que James... Toi, tu vas hop apprendre à aller sur le pot à James. Et toi, par contre, tu vas mettre ici parce qu'il aura sûrement encore faim après sa nourriture. Eh bien, écoutez, me revoilà. Bah, écoutez, puisque j'ai planté, eh bien, c'est pas bien grave. Je referai ça hors live, ce que j'ai fait dans la famille de Barbie. Donc, je suis désolée, ça a planté. Du coup, bah, on va dire au revoir à la team Rediff. Du coup, je suis désolée. Mais c'est pas bien grave.